Good morning, Alei, Den Nesutra, aujourd'hui, le Nishmat, François Fragi, Ben Hana, Janine Rude, Betrofim, vous êtes la cloche, Ben Shalom, Ishaya Ben Linda, et Sol, Anish, Lebet Delmar. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, à côté de 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet, P.A., Perek, Gimel, Mishnah, Hei, He, Achim, Shechalku, Notnin, Shte, Peot, Chazvo, Ben Shtetfu, Notnin, P.A., Achat, Shem, Shelakot, Elan, Ben Notnin, P.A., Echat, Achat, La carte Z c'est fono, Z romo, Z noten pe à l'atmo, Z noten pe à l'atmo. Amoukher kil khaylan betok sebu, noten pe à mikol echad ve echad. Amar biuda et matai, bizan shelo shier ba à la sade. Ben shier ba à la sade, ou noten pe à la kol. Je traduis directement dans un nouveau sujet dans notre Mishnah, et achin shechaku. Deux frères qui se sont partagés, ils avaient hérité du père un champ de blé. Et ils ont travaillé très bien pendant tout l'hiver. Et bien évidemment, quand ça a commencé à bien pousser, et qu'on a commencé à voir le potentiel d'argent, ça a commencé à créer des disputes entre frères, c'est bien connu. Et du coup, ils ont arrivé à la conclusion, tu travailles plus que moi, je travaille plus que toi, ils ont arrivé à la conclusion, tu sais quoi, viens, on va se faire un partage. La partie de gauche, c'est pour moi, la partie de droite, c'est pour toi. Est-ce qu'on a à présent deux champs ou un champ? Et la Mishnah vient m'enseigner, eh bien, et Achin Shechalku, deux frères qui se sont partagés, mais en distinguant dans un même champ, qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à moi, eh bien, Notnin Shtepeot, ils devront désormais donner deux PA. Même s'il y avait une certaine entente, en théorie, que, bon, alors laisse-toi la PA de l'autre côté, et comme ça, je te redonnerai d'ici, ou peu importe. Ouais, eh bien, non, ça ne marche pas. Il faut que chaque champ, maintenant, il donne une PA indépendante. Chazrou Venishtatfu. Notez pas, par contre, s'ils ont dit, allez, viens, on a des disputes, finalement, c'est pas vrai, on redevient associé, on partage tout, ben c'est très bien. Alors, vous avez maintenant deux champs que vous décidez de vous réunir, donc vous êtes maintenant des choutafim, des associés, et puis vous laissez une PA pour par champ, parce que tout redevient considéré comme un champ. C'est-à-dire que là, on vient d'apprendre en fait que la propriété du champ, de la surface, va définir une séparation de biens. On va définir les deux champs en l'occurrence. À présent, on a dans le même principe avec deux associés. Shnaim shelakhu et Thaïlan, notin pa echat. Si on a deux personnes, on est venu ensemble acheter un palmier. On a voulu exploiter un palmier, manger des dattes, faire un petit peu de loulav une fois par an, tirer comme ça les loulavim. On est parti acheter chez un vendeur de palmiers. On est parti acheter un palmier planté. Le palmier va nous appartenir maintenant, il n'a plus le droit de le toucher, le propriétaire, c'est à nous, on l'a acheté, il reste juste planté le temps qu'il produit des fruits. Eh bien, la Mishnah me dit, ben, c'est bon, vous êtes des associés, donc notnin PA achat, vous devrez donner une seule PA. Par contre, lakar zetsvono vezedromo, par contre, on a dit non, mais on va acheter ensemble, mais toi tu prends les fruits qui sortent de ce côté, du côté sud, et toi du côté nord. Zetsvono, ça c'est celui du nord, c'est les zedromo, c'est celui du sud. Donc en fait, on a un seul grand arbre, mais qui est séparé encore en deux propriétés, chacun ça devient comme un champ indépendant. Et puis, eh bien, Zenoten PA, l'Atsmo, Vedanoten PA, l'Atsmo, même principe, chacun devra donner une PA indépendante. Parce que désormais, on a deux champs, ou bien un arbre coupé en deux, donc ça fait chacun son arbre. Mais chaque arbre à toi, il a imposé de PA. Quand tu as plein d'arbres, tu peux considérer tous les arbres comme un seul champ d'arbres, et tu laisses un au bout. Mais si c'est ce que tu as juste la moitié d'un arbre, et ben tu laisseras la PA pour la moitié de l'arbre. D'accord? Et nouveau sujet encore dans la même idée. Amocher kilchei ilan betor sadou. Celui qui vend des pousses d'arbres au milieu de son champ. C'est-à-dire, prenez un cas d'arbre imposé. Et on a dit, on évoquait les dates, qui fait sécher, tout ça, les kites de kirafat. Et bien, vous savez quoi? On va faire maintenant, je vais vendre des dattiers, des palmiers en fait, à des personnes différentes. Moi j'ai un champ, j'ai commencé avec des pousses de palmiers. C'est fréquent entre parenthèses en Israël. Je sais pas si ça existe encore à notre époque, mais je me rappelle qu'il y a encore 10-15 ans, c'était assez fréquent. Il y avait plein de gens de Tzadikim pendant les vacances. C'était quoi les vacances en famille qu'ils faisaient? C'était très beau, c'était de partir dans les champs. Ils arrivaient avec des accords spéciaux, il y avait des organismes qui organisaient ça, pour partir accomplir toutes les mitzvot relative à la terre. Genre, par exemple, moi, je vais acheter une petite parcelle de terrain à Beth Shemesh, et là-bas je vais partir un matin pour, moi, quand je vais cuire, laisser la PA, après laisser le leket, laisser
Comme ça, on accomplit les mitzvot que la Torah a imposé de faire. Comme ça, on a l'occasion enfin de s'en faire imposer, de les accomplir. C'est bien, c'est important. Donc du coup, on a un principe. On a ici un vendeur qui vend des pousses d'arbres, des arbustes. En fait, il les vend les arbustes et après tu les laisses planter chez moi jusqu'à qu'ils viennent, jusqu'à qu'ils meurent. Ça peut prendre 30 ans. Tu l'as acheté, tu m'as payé un certain prix. Moi, j'en suis content. La terre, c'est la mienne. Tant que ton arbre reste planté, tu le profites. L'arbre, il meurt, c'est fini, t'as tout perdu. Eh bien, donc je vends des kilche ilan, des kelach, des arbustes, des racines d'arbres, mais tor saoud dans mon champ. La Mishnah me dit, bien, noten pea mikol echad vechad, chaque acheteur d'arbres, il devra acheter lui-même, et il devra laisser sa propre pea. On va pas dire que chacun, il a plusieurs, chacun, il a reçu un palmier, donc au total, c'est un grand champ de palmiers, et on va rendre un palmier imposable. Non, chacun devra donner sa pea, parce qu'on a plusieurs propriétaires, chaque propriétaire, il devra laisser la pea chez lui. Amar Rabbi Yehuda, attention, viens Rabbi Yehuda m'enseigne. Et Matai, dans quelles circonstances a été dit cette halakha que chacun il devra donner la PA sur son arbre? Bisman shelo shier baal asade. Je traduis littéralement d'abord parce que la phrase elle va être un petit peu plus subtile, mais littéralement, à condition que le propriétaire du champ n'a pas laissé. Il n'a pas laissé quoi? On va expliquer tout de suite. Avalim shier baal akarka, baal asade. Par contre, si le propriétaire du champ il a laissé, eh bien, ou noten PA la kol. Il devra lui donner la PA de. Surtout, soit on a une donnée un peu délicate, on a ici, moi j'ai des plantations d'arbres, et que je permets aux gens de venir s'ils veulent, si toi tu as part d'arbre, tu vas accomplir une mitzvah, tu viens, tu m'achètes un arbre, et dans ce cas-là tu vas être imposé de troumot, de maasrot, troumot, maaser, plusieurs mitzvot qui sont très belles, tu as l'occasion de les faire, vas-y je te vends un arbre. Je te vends un arbre, tu viens en propriétaire de l'arbre, maintenant je sais que l'arbre il va mourir. Ce qui se passe maintenant, est-ce que, finalement, ça vient d'une même personne qui reste propriétaire de tous les arbres? Est-ce qu'il faudra laisser une PA sur tout d'abord? La Michel me dit non, chaque propriétaire d'arbre devra laisser une PA indépendante, parce que lui, il a imposé de PA. Bien, Rabbi Yehuda, il m'apporte une précision super importante, qui me dit en fait, attention, je le suis d'abord le râle, après je vous explique comment c'est écrit dans le mot. Il me dit, Rabbi Yehuda, il me dit attention, c'est à condition que moi, lorsque je vends maintenant les parcelles, les arbres uniquement même, à condition que je n'ai pas moi-même commencé à cueillir des fruits. Parce que si j'ai même commencé à cueillir des fruits, donc j'ai laissé, j'étais méchaillère, c'est là le mot méchaillère, j'ai laissé des fruits dans le champ. Donc quand j'ai commencé, je prends, quand j'ai commencé à moi cueillir mon premier palmier pour moi, et bien dans ce cas-là, il s'avère que maintenant, je commence à devenir imposable de laisser la PA surtout. Maintenant, lorsque je vais vendre indépendamment chaque petit arbre, mon devoir initial de laisser une PA pour tout le monde, pour tous les arbres, il reste encore. Et alors là, c'est moi qui deviens imposé de PA. C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire comme ça. Dans quelles conditions on a dit, de quelles circonstances on a dit que l'acheteur, il sera dispensé, il devra lui-même laisser la PA, à condition, que le maître du champ n'a pas commencé à cueillir, donc à se faire imposer d'être méchaïr, de laisser la PA. Par contre, avalim baal, il va l'imchier bal, c'est-à-dire que si le propriétaire du champ, il a laissé un peu de la PA, c'est-à-dire qu'il a commencé à cueillir un palmier, et puis il avait envie, en vue de tout cueillir par exemple, et puis finalement il a décidé de les vendre. Mais au moment où tu as commencé à cueillir, tu t'es fait imposer de laisser la PA sur ce champ-là. Dans ce cas-là, ton devoir il reste sur toi, il reste pas chez les acheteurs. Avalim Shier bal, c'est-à-dire si le propriétaire du champ, il a lui-même laissé, c'est-à-dire qu'il a cueilli en laissant pour laisser la PA, eh bien, ou noten. PA, la colle, il devra lui donner la PA pour tout le champ, parce que une fois que tu t'es imposé ta mitzvah ne te quitte pas, même si tu t'es séparé, c'est pas plus loin des causes. C'est une notion générale dans le Mara, dans quelle circonstance, dans quelle circonstance. Non, mais là, on a un exemple concret avec la PA, que dès que tu commences, tu deviens imposé de laisser la PA sur tout le champ. Là commence ton chiouv, même si c'est pas le moment de laisser, mais dès que tu deviens maintenant imposable, et de ce fait, même si tu vas vendre ensuite deux arbres, ton devoir à toi, il reste de laisser la PA sur les autres. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Sahara comme tu le sais.